Et bienvenue, on est à la recherche de chaos. On va continuer. Alors, on a des missions secondaires, je crois, à faire. Oui, 104 et 106. Alors, cette femme s'énorgueillissait. Quoi? S'énorgueillissait de la défense. Je sais pas ce que ça veut dire ce mot. What? Je suis fatigué. Oh, ok, il est 23h au moment où j'arrive pas à dormir parce que ce jeu il est trop bien. Ok. Alors, défense parfaite qui lui conférait son corps robuste et ses sorts de magie blanche variés grâce à ses aptitudes, même chasser les ténèbres du monde ne semblait pas être impossible. Celle qui régnait dans la citadelle était apparue de nulle part et était d'une profondeur jamais vue auparavant. Il était bien normal que... Il était bien normal que l'étrangère ne soit battue pour les disperser. Peut-être l'étrangère se soit battue pour les disperser, peut-être comme pour dissiper les illusions du peuple. Cependant, le monstre qui a émergé des ténèbres en rampant l'a empêché de réaliser ses ambitions. Le dépit profond de cette femme alimente. C'est très chiant de lire un texte qui bouge en même temps, comme ça. Et qui après qui part, qui revient, c'est très très agaçant honnêtement. Ça m'énerve de lire ça, ces trucs. C'est horrible. Dépit profond de cette femme alimentée par le désespoir de n'avoir pas pu porter secours à ses compagnons, a transcendé le monde et percé encore, blablabla, etc. Elle est vénère, elle a pourri le monde, etc. etc. Donc on commence un épisode où je n'arrive pas à lire, c'est bien, c'est cool. Ça va, on commence à avoir l'habitude hein, dans ce. Je crois que il y a sûrement peut-être 2 épisodes sur 10 où j'ai bien lu. Mais c'est parce que ça bouge, ça m'énerve. I'm counting on you. On doit détruire les orifices. Qu'est-ce qu'on est? On est néant et point foudroyant. Ah oui, on avait dit qu'on essaierait de finir le point foudroyant. Là. Pas le point foudroyant, le pugiliste, parce que j'aime pas ça. C'est parti. Come on. Time to go to war. Ok, elle était trop loin. Elle était un peu trop loin en fait, je l'ai repoussée trop loin. Du coup, j'ai pas pu l'enchaîner, c'est con. C'est con, hein? Ouh, c'est classe. Oh putain, je le regardais pas, je regardais mes buffs. Oh la pute. Attends, je récupère de la vie. Merci. Feel the pain. We got company. Be ready for it. Là, je suis bloqué. Lui. Breathtaking. Voilà. Parfait. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On passe en haut ou pas? On va jeter un petit coup d'œil. Coffre, non? Si, peut-être au fond. Coffre, coffre, coffre. This looks good. Can I use it? Pour les monstres normaux, ça va, c'est pas si mal, pugilisme. Après, pour les boss,
c'est un peu chiant. Il y avait un truc que j'avais jamais dit. Quand on les détruit, les monstres là, quand on fait, quand on les transforme en cristaux et tout ça, il y a des cristaux par terre et ils restent. Et dans un sens, c'est vachement bien pour savoir par quel endroit on est passé. Je me demande si c'est pas fait exprès au final. Parce que c'est, bon, c'est stylé parce que oui, ils étaient en cristaux, on les a explosés et tout ça. Mais aussi dans un sens, ça nous permet de savoir par où on est passé, je trouve. Désolé, je buvais un coup. Donc ouais, je trouve ça bien pensé. Ça c'est pas mal. Ah ouais. Et je vois rien du tout. Ouais, je vois rien du tout. Non. On était à 21. J'entends un bruit. Ah, ok, il y a des trucs là-bas. Raccourci. Oui, raccourci. Ooh, secret passage. Any help is welcome. Ok. Take it from here, Neon. Will do. No. Pas mal, pas mal, pas mal. Let's see what's inside. J'ai peut-être mal lu le au début, hein, mais en combat, là, ça va, hein, ça se passe bien. Hein. Check it out, Jack. Clé du firmament. Ah ouais, carrément. Ah bah du coup, là-bas. Non. Là. Non. Où est-ce qu'on a vu une porte? Nulle part. Time for a change. All right. J'ai un doute. J'ai un doute. Non, c'est pas là. Ce n'est point là. Ah, attends. Passe par le raccourci. Voilà. Eh oui. Oh, regardez, les deux me regardent. Oh, c'est mignon. Et on avance. Enemy spotted. Come on, follow me. Bien joué. Take it from here. Ouais, très puissant pour le
Pour les trash mobs, je dirais. Extrêmement puissant pour les trash mobs, en fait. Parce qu'on est tellement rapide et tout ça, c'est très très bon, je trouve. Par contre là... Merde. Oh la vache, ma vie. Bien joué. Ah super. Non mais sans déconner. Oh la vache, oh les dégâts. Les dégâts, s'il te plaît, du machin là. Qui a fait une roulade. Pourquoi ils sont rouges les machins? Par contre, j'ai pas de... Ok. Not my best moment. A win is a win. Ah, ça va, ça s'est plus ou moins bien passé, j'ai envie de dire. Look here. Je trouve que ça va, non? Allez, deuxième. Ça va être un gros truc là, non? Pourquoi elle, elle peut faire des vagues là facilement comme ça? Moi en néant, je pouvais pas, il fallait que j'absorbe. Oh la vache. Ah ouais, ça c'est con ça. Oh, il monte. Oh la vache, ok. C'était pas mal là. Je me suis fait ventéliser. Oui, ça veut dire que je me suis fait tuer par du vent. C'est... Oui, oui. Ça se dit. Ça c'est bien, mais c'est super puissant, mais faut que ça touche quoi. Faut vraiment que le truc soit proche de lui. C'est quoi sa récupération magique? Ah oui. Ouais, ça il faut pas le faire. Oh la vache. J'arrive pas. Ah, voilà. Putain, j'arrivais pas à...
Ouais, mais par contre, j'ai ça me détruit mon MP max. Allez, dernier sûrement. Oh, des Ahriman. Oh la vache, ils font de la magie, c'est con. Ok. Ow. Ok. Putain, mais j'arrive pas à les stun. J'arrive pas à les stun. Gotta finish this before the Reaper pays us a visit. Oh la vache. Oh lolo. Ok, ça c'est pas mal. C'était compliqué. Oh, c'est pas fini. Oh non. Non. Oh lolo, non. Non, qu'est-ce que je fais? Almost out of potions. Hey, be safe, guys. Can't use your tricks. Oh lolo, non. Running low? No room for mistakes. Comment je fais? Je sais pas quoi faire. Panique. Mode panique. Putain de toi, quoi. J'allais dire, est-ce qu'on peut le faire tomber avec l'hypercut? Non, mais je peux pas jouer hein, de près hein, avec les tomberies. Hein. Laisse tomber. Hein. Bon, bah, du coup, ça tombe bien. On est pugiliste 30. Normalement, on le fait après l'émission, mais là... Ah, vraiment, hein, les mecs... les mecs, ils te mettent des... Ils te mettent un tomberie à la fin, quoi. Sans déconner. Le moine, c'est quoi? Permet de consommer des MP pour récupérer des PV. Oh là là, quoi. Le mec, il me fout des DM. Des tomberies, quoi. Bon, du coup, j'ai plus les attaques de griffes, mais c'est quoi ça? Ah oui, on a le foudroiement là, c'est 2 par contre. On peut le mettre comme ça. On peut tester des trucs. Hein. Ok. Si je remeurs, on sort le flingue. Hein. Parce que je vais pas passer 2 heures sur un tomberie. Hein. Faut tous retaper en plus. Ouais, je crois. Ouais. Oh là là. Ils sont mais ah voilà. This looks good. Lucky. L'attaque là, la deuxième que je viens de mettre, ça a l'air de bien casser. Ça a l'air de bien bosser dans la rupture là. Ça là. Ouais, ça a l'air pas mal ça. We're still not done.
take him down. I'll get him off. Just use your tricks. Not hit the spot. Desperate. Ouais, que dalle. Non, en plus ça le bloque. Ok, pas mal. Je crois que je peux le stunlock avec ça. Bon, ça coûte cher, hein, c'est compliqué, mais... C'est pas mal. Ah oui, c'est vrai, putain. Ouais. Oh. Je vais mourir? Comment je fais? Si je les tue, je meurs ou pas? Ah non, c'est bon. Ok, cool. Bon, on est allé plus vite là, par contre. Oh là là, oh là là. Putain, de toi. Non, mais sans déconner, quoi. No room for mistakes. Take it from here, Neon. Oh là là. Yes. Ouh. Je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment fait accumulation aussi. Ouais. Le coup d'épaule là est vraiment pas mal. Là, je suis content là. Trouver une bonne attaque. On a eu Durandal là. Ah, j'ai pas vu. Il y a quelqu'un qui peut être quelque chose d'autre, je crois. C'est quoi ça? Guérir vos altérations d'état et vos effets néfastes et augmente temporairement votre résistance aux altérations d'état. Ouais, chakra. Ça me rappelle un peu le... Il y a le 14 qui faisait ça. Enfin, le 14, je crois qu'il le fait un peu moins maintenant. Enfin, tout a changé, en fait, avec le 14. Ou vous avez... Enfin, le 11 le faisait très bien. Ou alors, vous aviez votre job principal et après votre sub-job. Donc, prendre les habilités d'autres jobs pour les utiliser sur votre job principal. Enfin, les classes, quoi. J'ai dit job, mais c'est les classes. Donc, on fait pareil. Fission terrestre, c'est ça? Ténèbres, ténébreuse. Okay. J'aime bien le foudroiement. Par contre, j'ai du mal. Ouais, parce qu'en fait, je fais souvent la charge d'acier, du coup. J'ai du mal à faire les autres, parce qu'on tape tellement vite et tout ça. J'ai du mal à savoir, en fait, quand est-ce que l'enchaînement commence et s'arrête. J'ai remarqué. Ah, c'est pas trop grave, mais... Ah, arrêtez de me changer ça. La Mazamune. Mazamune. Alors, hop, très bien. Oh, il est joli ce bouclier. J'aime bien. Ouais, on va continuer, moine. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Maintenant, ça. Alors, homme tentait de récupérer l'équipement de ses compagnons qui avaient péri par sa faute. De multiples mécanismes et monstres lui ont fait obstacle. Mais il a continué d'aller de l'avant et a trouvé ce pourquoi il était venu à l'endroit où ses alliés avaient rendu l'âme. L'homme s'est rendu compte au moment de ramasser leur équipement que c'était un piège tendu par un monstre et n'a pas pu s'en ressortir vivant.
Le dépit profond de cet homme alimenté par le regret de ne pas avoir pu faire amende honorable à ses compagnons a transcendé le monde. Ok. C'est parti. All right. Go, 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 go. Take it from here. There's one. Time to go to work. Oh mon dieu. Oh la vache. Oh là, oh là, oh là, tu vas te calmer. Je vais pas utiliser déjà de... Déjà mes potions quand même. Et je vois rien du tout. Ok, bien joué. Ils sont vénères ceux-là, les flancs là. Les violets là. Sont super vénères. Oh, j'entends un truc sur ma gauche. There you are. This will be a breeze. I'll get them off your back. Ah oui, non, mais c'est vachement bien en fait ce truc. On les pousse contre le mur et tout. Easy as pie. The next fight might not be so easy. On les explose contre un mur, c'est terrible. Treasure, huh? Nice job. Time to go wild, Jed. Est-ce que je peux faire? Non, j'arrive pas. Hein. Ah, je crois que je l'ai fait. L'électrique. Oh merde. That was close. A win is a win. A win is a win. J'arrive pas à faire la foudre, c'est atroce. Chaque fois, je vais trop loin. Je fais trop de combos. We got company. Let's make this entertaining. Oh la vache. Time to go wild. Putain, il m'a tué. J'allais le... J'allais le stun. Oh là là, Gavran. Let's go. This will be a breeze. Par où est-ce qu'on était passé? Oh merde. Ils sont horribles, ces flancs là. Récupérer notre truc, nos âmes. Ah, vite, avant que je me fasse couper en deux. Come on.
Je sais plus ce que ça fait, accumulation. C'est pour se régène. Un truc par contre que j'aimerais bien, c'est avoir, vous savez, vous voyez accumulation là, la touche RT, genre en plein milieu de mon écran, sans déconner, je la veux en plein milieu de mon écran, pour voir quand elle change. Je voudrais tellement voir ça. Pas un conseil des PM pour récupérer les PV. Ok. Si on en consomme une bonne partie, on augmente notre force aussi. Ah oui, 3. Okay. Pas mal. À l'origine, Chaos n'existait pas dans ce monde. Il est né des ténèbres, des distorsions, ainsi que du lien entre les cristaux noirs, les sentiments et la volonté des guerriers, privant ainsi les cristaux de leur éclat. Les guerriers de la lumière, qui n'étaient alors qu'une fantaisie, pourraient ainsi naître si l'occasion se présentait. Pour cela, l'éclat que produisent les cristaux et des réceptacles qui conviennent, dans leur cas les cristaux noirs, ainsi qu'une forte volonté serait nécessaire. Mais à quoi bon y réfléchir? Pour moi, il n'y a pas d'autre guerrier de la lumière que Jack et ses compagnons pour sauver Cornelia de la malédiction de Lufenia. Okay. Ah mais ça dure longtemps là, le buff de... Le buff de puissance, là, c'est intéressant, ça. Pas mal. Eh ben. Oh, et sans déconner. Oh mon dieu, la blague. Okay. Le truc, je lui ai fait de l'électricité, ça a touché sur les côtés et pas devant. C'est vrai que c'est bien pour des AOE, hein, mais si c'est une cible en plein devant, non, ça marche pas. Non mon dieu, t'es sans déconner. C'est vrai que je peux faire ça aussi. Oh. Je peux enchaîner en fait des coups comme ça et après... En fait, rester chargé. Ouais, c'est pas mal. Ok, ça marche, ça marche. Non. Enfin, quoique... Peut-être par là, j'en sais rien.
Oui, non, sûrement, parce qu'il y avait une... Non mais c'est bullshit hein, cette attaque, elle est instantanée. Hein. Ouais, par contre, ouais, les flancs ils sont faibles contre la magie. Elle avait son épée en feu, elle l'a démontée le machin. Du coup c'est par où pour nous là? Non, ça c'est d'où on vient. Là c'est où je suis allé. Il est où les codes? Oh merde, je suis perdu. Labyrinthe, tu n'es pas très très agréable. J'ai perdu le fil du déroulement en fait. Ok, après on avait détruit une barrière, ça marche. Faut trouver la... Enfin, on a détruit un générateur, faut trouver la... quelle barrière a été détruite en fait. Non, c'est là, c'est d'où on vient. Tout droit? Non. Oh là là là. Désolé, hein, mais bon. Ah, c'est ça. Non? Bah, non. Je suis un peu perdu là. Ok, on est bon. Ça marche par là-bas alors, ok. There you are. I don't stand a chance. It's like that hurt. Sorry for them. You look almost disappointed, Jack. Par où? Trois. Take it from here, Neon. We'll do. Time to go. No! I'll lead it down. Oh merde, j'ai plus de MP. Oh la vache, salope. Oh, vache. Almost out of potions. We'll have to take it slow. Après, je dois dire que, ouais, moine, pugiliste, tout ça, ouais, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Hein. Ça peut être fun, même à regarder, peut-être, et tout ça, mais... J'aime pas du tout. C'est bien aussi de les pousser, en fait, de les éloigner du groupe. Ça, c'est pas mal, aussi.
Oh mon dieu, ma vie. C'est bon. Pas mal cela quand même. Ok, raccourci. Ooh, secret passage. Phew, just what we needed. Non. Ok. Qu'est-ce qu'on a récupéré là? Ah oui, on a détruit la barrière, oui, oui. Un truc sur la gauche. Let's see what's inside. That's that. Ouh, oh. Cool. Ok, c'est juste un objet, ça marche. La tueuse d'ogre. Sympa. Libérateur pour H. Bon, bah on peut repartir à la mission principale, c'est cool. On va regarder un peu les ce qu'on a augmenté. Alors, moine, on est 15. Cœur de lancier. Ok. Mage blanc. Ça, c'est pour le paladin. Ok, ça marche. Non, c'est pas ça que je vais faire. Hop. Notre look qui change tout le temps. Quoi. Ah, attends, on a des nouvelles techniques là. Fais voir. Exsanguination. Exsanguination. Ouh. Multiples coups, dégâts en vent, exécutant l'aria tout en tournoyant. Ok. Bref, fracas énergétique, c'est quoi ça déjà? Ah, c'est sympa ça! C'est à longue portée, marrant. Ouais, mais j'ai du mal à faire autre chose que le premier en fait. Et il faut que j'essaye de mieux timer mes trucs. C'est pas grave, ça va venir. Frappe puissante. J'imagine que le poison, ça peut être pas mal avec des points, parce qu'on met le... On tape vite, en fait. Permet aux attaques de toucher plusieurs fois. Ça aussi, la volée avec des points, ça peut être marrant, non? On peut tester. Ah. Samouraï au max. On va mettre ninja. Ok. Bon bah c'est parti. Alors, l'affliction d'un saut. Le désir de Jack de vaincre Chaos l'a quitté. Est-ce dû à l'élimination des démons ou à une autre raison? Nul ne peut le dire. Il tire un trait sur son cristal noir qui a cessé de fonctionner et accepte en lui la brume émanant des monstres vaincus. Grâce aux souvenirs contenus dans cette dernière, Jack réalise qu'il est né à Lufenia et un sourire teinté d'autodérision se dessine inopinément sur ses lèvres. Les chauves-souris autour de lui s'agitent comme pour lui répondre et il part à leur poursuite en se demandant si elles ont également un rapport avec Lufenia. Okay. Ok, ok. Alors, il s'agit plus d'une île que ou d'un continent que d'un édifice. Ils ont choisi cet endroit, c'est parce qu'il renferme une grande quantité de magie. C'est probablement à cause de cette dernière que le grand cataclysme qui a dévasté le monde du sixième espace-temps... Ah, je connais pas FF6.
dont est tiré ce lieu, ses produits. La quantité de ténèbres ne fait qu'augmenter, mais si tu parviens jusqu'ici, alors cette fois nous pourrons... Dot, dot, dot. Trois petits points. FF6. Cataclysme. FF6 avec Kefka, je crois. Et le chevalier oignon, là. Je crois que c'est ça. Ou je confonds. Ou c'est Terra. La fille, là. Qui pouvait se transformer. Je sais plus. The Lufenians sent me here. Why? What are they trying to accomplish? And where did this desperate urge to eradicate chaos come from? Jack, if this is what we think it is, if this really came from our homeland, from Lufenia, then they must already know what's going on here. Astos, he's not just monitoring and recording the status of the darkness. He's reporting back to his superiors. Let's kill these monsters and pry some answers out of him. Ok. Faut toujours qu'on tabasse des monstres au passage. Toujours. Ok, continent obscur. Eh ben... Ouais, ça me dit rien, hein, perso. Je connais pas assez. Attends, scruter. Is that island floating? The bats flew off in that direction, which means that's where we'll find Astos. Good. That'll save us time. Let's go. Let's go. Enemy spotted. Be ready for him. Oh, c'est classe ce truc. Nice shot. Mais qu'est-ce que... Qui c'est qui vient de me brûler la gueule? Putain. Vous auriez pas pu faire quelque chose, sérieux? Ouais, non, tu la drop la balle. Hein. Putain. Where do you think Lufenia is? Somewhere far away, I'm sure. Not just in distance. But in time, too. I can't even visualize that. Imagine you're a worm squirming in the mud. The Lufenians are birds soaring through the sky. They could eat you if they want, but they'll probably just cover you in droplets. Ew. Time to go with dust! I'll leave you to ask. Here it comes! Watch out! Ok. J'ai pas vraiment voulu. Putain! J'ai esquivé pourtant. Oh là là, oh la vache, le saut qu'on a fait! Oh mon dieu, t'es horrible. Time to go wild, Jed. On a une corde, on peut monter. J'ai l'impression qu'on peut tout simplement aussi bloquer les attaques normales en fait. Hein. Avec le guerrier du néant là. C'est quoi ça? Wouldn't want this to go to waste. Agreed, let's put it to good use. Ah, ok. J'ai vu qu'il y avait un coffre, mais bon, c'est juste un coffre. Je sais pas par où faut passer pour le récupérer. Très bizarre ce monde.
Le problème, c'est qu'on dirait pas de la roche, on dirait de la chair, en fait. Je pense que c'est censé être de la roche et des os. Mais je... Franchement, on dirait de la chair. Ouais, non, en fait, c'est... Oui, non, je crois que c'est censé être des os et de la chair. Plutôt. Et un peu de terre. Oui, oui, non, c'est bien dégueulasse. We got company. Let's make this entertaining. Pas bien. Ma vie, non mais oh. Cubes. Should we check it out? Okay. There's one. I don't stand a chance. The bones! Out of my way! Now! Qu'est-ce qu'il a dit là? Time to go somewhere. Oh le bordel. You look better. Qu'est-ce qui se passe? Okay, cool. Yeah. No. Jack, say it so. Okay. Go for it, Jack. Dust. Putain. Vache. Allez, Harryman, il rigole pas. Hein. Dans plusieurs FF, les Harryman étaient extrêmement puissants à chaque fois. Time to go wild, Jed. Oh, I'll leave you down. I'll get them off your back. Look, size. Come on, let's be quick about it. Très bien. Tu vois rien du tout, mais toi bien. On détruit, on tape. Non, c'était quoi ça? Ah! What? Ah, c'est le truc qui invoque des... Ok. Oh mon dieu. Oh là là. Non, je me suis fait téléporter. Time to stop it once and for all. Vous voulez pas m'aider sur le même truc là? Oh mon dieu, presque, j'y arrive pas. Mon dieu, merci. Oh là là. No room for mistakes. Things just got interesting. Oh non, c'est pas fini. J'ai plus de potions. Ah, bien joué, je suis mort. Bah, de toute façon, là.
Ouais, non, c'est bon, tue-moi. J'ai essayé de faire des trucs avec absorber la magie, tout ça. Ça c'est mal goupillé, hein, on a vu. Oh mon... Putain, mais... Ah oui, oh là là. Attends, sans déconner. Si on passait en illumination aussi, ça pourrait aider. Big trouble. We're just getting warmed up. Go for it, Jack. Dust. You're taking my life is flashing before my eyes. Ok, bien, bien, bien. Faut que je spam ça en fait. Pour ce genre de. Here it comes. Oi, oi, oi. Ouais, faut que je spamme ça. Get up. Reach for the save. Oh là là, sans déconner. Vache, oh je souffre. Hein. On passe, oh là là, mais des dégâts. Non, non, là j'ai envie de dire un peu bullshit parce que je pense que j'étais hors de portée. Mais bon, vu que ça fait un éclat... Oh là, putain, on était bien, en plus, on allait le finir, quoi. Come on. Come on, follow me. What the fuck, c'est... Ah, mais c'est les pics par terre. C'est une horreur, les Harryman. Et les autres, quand ils se mettent en boule là, mais alors laisse tomber, quoi. And all you got? Jack, hurry before there are more. Time to go wild. Mais si je détruisais le portail au lieu de me faire chier là. Hein? Now I feel a lot better. That was seriously awesome. What the hell? It's coming apart in midair? Get out of here. Move. Now then. What? C'est quoi qui est en train de tomber là? Allô? I think we overdid it. Oh. Who cares? At least we learned something useful. Yeah. The darkness we sensed is gone. Bingo. Let's smash some more statues. Okay. Eh oui, pourquoi je me suis fait chier à combattre les... Bah après ça fait des drops et tout, hein, mais bon. J'avais vraiment pas besoin de le faire en fait. Alors j'imagine par la gauche. Ou là-bas. C'est quoi ça, cette flamme là? Ok. Ah, c'est un raccourci, ça.
Take it from here. We'll be here forever at this rate. Time to go wild, Jed. Woohoo! That was close. I can learn from this. What is this darkness the Wufenians are sending? A catalyst for change. It corrupts animals, people. It's what caused all this madness. They're sending it here to manufacture more. And it's that darkness that dulled the crystal's light. So basically, darkness makes sparkly happy world a sad gloomy world? Then what's our role in all this? Balance is lost if the darkness grows too strong. We're regulators. Our job is to maintain equilibrium between light and dark. Ça va, ils commencent à comprendre en fait quel est leur but. Saint-Omberie, putain de merde. Oh là là, nique-toi. Regarde-moi cet enfoiré, il me fonce dessus. J'y vais me tuer. Ouais, allez-y. Oh, tu l'as paralysé. Allez-y. Vous arrêtez pas. Mon Dieu. Par contre, il y a un truc que je me rappelle plus, c'est qu'ils disent qu'ils ont besoin de la lumière et des ténèbres et tout ça, là, les Lufeniens, là. Mais c'est pour que leur monde soit pas détruit ou le monde d'ici soit pas détruit. Je me rappelle plus, ça. Alors, les différentes races qui existent dans ce monde sont nées des expériences des Lufeniens. Les nains ont été créés à partir d'humains locaux pour s'adapter à divers environnements. Les elfes à partir de modifications génétiques visant à octroyer une plus longue longévité qui ont provoqué des mutations inattendues, etc. Pour les Lufeniens, les êtres de ce monde ne sont rien de plus que des rats de laboratoire. Des formes de vie artificielles sont certainement nécessaires à un meilleur avenir. Ouais, carrément. Better tread carefully. Fun. Mais en fait, les Lufeniens, c'est... Bon, c'est peut-être pas des gens sympas, quoi. Du coup, on a fini ça. Je suis un peu perdu, là, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait, exactement, là-bas ? Ah, attends, je suis pas passé par là. Take it from here, Neon. Encore un machin. Time to go back. Almost out of potions. No, no, no. This is the way. Take it from here, Neon. Please help me. Non, mais sans déconner, ça. Il est en train de dire please hit. Genre, s'il te plaît, touche. Avec ses shurikens, enfin, il les balance. Don't drink them all at once. We'll have to take it slow. Jack, now's your chance! Move aside!
Oh la vache. Ça se détruit ça. Look, a hidden path. I wonder what's at the end. Encore des monstres. Look here. Wow. Quel drop. Ok, ça c'est pas mal ça. Là-bas, on monte le chemin ? Je crois. Hein. Cubes. Should we take a breather? Oh là là. Ah mais il est horrible ce monde. Oh putain. Oh j'en peux plus de me taper des trucs super chiants là. Take it from here, Neon. I'll get them off your back. I don't get hit yourself. Good to go. Feel the pain. Mon Dieu. Oh, another statue. Good. I'm pulverizing it, but keep on the lookout. Size it. Let's crush it. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bon. Another statue down. Next. Yeah, let's go. Ok, on avance. Is everyone still with us? By my count, yeah, we're good. So how many statues left? Just one, but not for much longer. Comment tu sais ça? On va se reposer. Ok, par là-bas, j'imagine. Et après on pourra passer le chemin. Take it from here, Neon. I'll get them off. T'es en train de me demander Next. Est-ce que c'est considéré comme un chargement quand je récupère des MP, enfin quand je transfère mes MP en vie, genre ça là. Du coup, genre je pourrais, Those who sent us here are afraid of this world reconnecting back to their own. In other words, they're terrified the past they abandoned will come back to haunt them. Are you two talking about the Lufenians? Looks like that story wasn't all fantasy. Take it from here. Enemy spotted. Be ready. Ah, c'est pas mal là le truc de voler. J'avais un peu oublié que je l'avais pris en fait. Time to go wild. One more tool to use. Good to go. On va régénérer un peu. Par où?
Enfin, on peut pas passer rapidement en fait. Là. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe les mecs? Vous êtes tombés? Oh mon dieu ma vie. J'avoue que je commence à fatiguer en fait, ce niveau est long et chiant. That's all of them. At least we have time to take a breather. Non. Pas le temps. Putain, quel bordel. J'entends le pampa. What? Au-dessus? Au-dessus, sûrement. Bon, c'est pas très grave après, hein. C'est juste quelques objets. Hein. C'est pas grave. Putain, par où on passe, là? Super. Oh, oh la vache. Le saut que ça a fait en arrière. Oh wow. Merde. Bon, Osef. This is the last statue. Remember, stay vigilant. Took the words right out of my mouth. Stand back. Let's be the first to welcome these monsters under the world. Let's get it over with. Out of my sight! Woohoo! It all comes tumbling down. Yes, I see that. Now let's try not to go down with it. Yeah, quoi? Non. Alors attention, il y a peut-être un comité d'accueil. Non, ça va. Voilà. C'est un peu plus joli maintenant. We've finally made it down here. Ah, time to confront Astos. Let's go. We fought to dispel the darkness as warriors of light, to save the world. But we did too good of a job, so the Lufenians sent more darkness. Maybe it wasn't just us getting rid of the darkness. Maybe non, someone sérieux, had the light as well. That would be the princesses, especially Sarah, I wager. No darkness needed in the princess was. Princess Sarah must have a crystal. Maybe that's part of it. Oh, right. Il m'a... J'ai fait deux fois l'attaque. Par erreur, apparemment. Ça a l'air d'être super sensible, en fait. Ouais, bah vas-y, tu vois. Ça a l'air d'être super sensible, des fois, quand je fais des habilités, parce que j'en fais souvent deux fois d'affilée. Je me suis pas reposé... Je me suis pas reposé au feu, pas au feu, au cube. Let's go. Let's make this entertaining. Oh là là. Oh, that hit? That could come in handy, Jack.
Il n'y a pas de téléporteur, what the fuck, je fais comment? Oh mon dieu, va te faire mettre. On peut tuer ce machin de merde là. Les flagelleurs. Ah mais vous savez les flagelleurs, je crois que les premiers c'était dans FF11. Je crois bien. C'était dans un des DLC. Hey, ciao. Now then. What should we do now? C'était dans un des DLC. Je me rappelle plus du nom. Je l'aimais bien en plus ce DLC. Genre il y avait un event où les monstres attaquaient la ville et fallait défendre la ville. C'était sympa, c'était vachement sympa. Ah, va te faire mettre. There you are. Be ready for anything. En anglais c'était quoi? C'était les Mindfrayers. Je peux passer par là ou il faut que je passe par là? Oh non. J'en ai marre, j'en ai marre. Je sais pas par où passer en plus. Bon, ils étaient très dangereux à combattre. Des super mages, c'était extrêmement dur de les... de les interrompre en fait. Je suis complètement paumé. Honnêtement, je suis complètement perdu. Cool, found a way through. We'll use this to get back. Ok, ok, ok. Alors attends, du coup, il y a le cube qui est pas très long. Putain, merde. We've got our work cut out for us. On your toes. Le cube là. Oh putain. Good to go. Ok, très bien. Après je dis c'est dans FF11 les premiers, peut-être pas, hein. C'est peut-être dans les anciens hein, que moi je connais pas. Mais de moi, en tout cas, de mon expérience, c'était que dans FF11. Look strong. This one will test us. Okay. Getting desperate. I don't want to see what happens when that countdown ends. Here it comes. Watch out. This one's got okay. Lights out. We've had worse than this. On va détruire ça. Eh ben. More of those cubes. I need a break. Bon, vous êtes prêts sur le fait qu'on va se faire tabasser par le boss. Après, je vais changer, je vais prendre une arme à feu, hein, comme d'habitude. Faudrait peut-être que je prenne genre 10 minutes on va dire. Pour regarder l'équipement, pour l'augmenter, peut-être trouver un set qui me convient, changer les aptitudes dessus. You're late. But no matter. Relax. We won't have any more gifts to deal with. Light and darkness are in perfect balance, thanks to your noble efforts.
So, where would you like me to start? First, tell us who you are. Guess. I'm not in the mood for games. Guess. A Lufenian? No. Not one of them. They, on the other hand, are former Lufenians. They're working with me, but for their own ends. To be honest, they'd be just as happy to see me dead. I was the one who turned them into bats, after all. My enchantment will fade if you kill me. And I'm sure that's why they've been so very helpful to you. They're hoping you'll decide to slit my throat for all the trouble I've caused you. Oh, okay. Isn't that right? Il les a transformés en bas. C'est pour ça qu'elle nous téléporte à chaque fois vers lui. Sorry I asked. To be honest, I don't give a damn about you or these bats. Doesn't matter who or what you are. I only want one thing from you, Astos. I want you to give me a reason to live. An enemy to fight. Oh. Can you do that? I'd love to, Jack. Really, I would. But I can't. I've lived too long, you see. An eternity of regret. My heart's full of enough sadness, resentment, hatred, and rage to fill an ocean. On dirait moi, quoi. I might as well be a dark crystal myself. Jack, I ask you one more time. Who am I? Oh, Chaos, il va dire. C'est ce qu'il veut devenir. King of the Dark Elves. Oh, ok. That's all. Non, faut lui dire Chaos, il va être content. Yeah. Oh, c'est méchant. Eh oui, il fallait lui dire Chaos. Un Chaos. Why is darkness surrounding Astos? What's going on? Oh la vache. Oh la vache, oh la pêche maintenant. Plop, 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 plop. Ça commence bien. Ça commence très bien. Ah la vache. Oh mon dieu, il se téléporte. What the fuck? J'aime bien parce que j'ai plus de mal dans ce jeu. Bon après, ça a du mal. On va dire que je meurs de temps en temps, quoi. Après, j'optimise que dalle hein, dans mon équipement et tout ça, c'est normal. Mais j'ai plus de challenge, voilà, c'est pas de mal, c'est de challenge dans ce jeu que dans Boulong. C'est ouf quand même, hein, je peux pas dire. Mais... ça va pas passer honnêtement. En moine, ça va pas passer. En moine, ça va pas passer. On passe en flambeur. Blackjack. Qu'est-ce qu'on peut...
La pompe théorique, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est le tir de près, oui. Non, c'est pas vraiment intéressant, ça. Ah, on peut mettre mort ou vif. Oh putain, c'est un 3, en fait. Je pensais que c'était un 2. Time for a change. Ouais. Voler... Ouais, ouais, allez, go. I'm ready. Take it from here, Neon. Enjoy. Time to go wild. Getting desperate. Careful now. Oh la vache, il m'a fait peur ce con. The darkness is weakening. Now's your chance. Oh mon dieu, ok. On va se soigner parce que... Turtling up, I'll carve through your shell. Ouais, non mais s'il me fait ça tout le temps, ça va être trop lourd. Ok. Débloquer des trucs. Non mais, ouais, non mais... Putain, je t'ai bloqué. Ok. Il fait, ouais, il est rapide en fait. Faut que je sois moins statique quand je tire. Enfin, je fasse des salves de tir, mais... Pas pendant 7 ans, quoi. Voilà, là. Quand je le vois arriver vers moi, il faut que je bouge, quoi. Au lieu d'être un gros débile de... stagnant, là. Si j'essayais de bloquer, en fait. Take it from here, Neon. Tiens-moi. We'll be here forever at this rate. Okay. Je le touche là ou pas? Oh chaud! Attends. Ok, cool. Astos! Let this reach him. Oh. Là, il va se transformer en gros truc du chaos. I despise the Lufenians. I hate them so much I could scream. C'est ce que je disais. C'est parce qu'ils l'ont créé. I was born in Cornelia. I traveled with the Lufenians across the plains. Ouh, qu'est-ce que... Oh. Oh là là. Oh, c'est stylé. And I was reborn. I came back. Ultima. And now, I don't know where my heart should lie.
est dans la merde. Take it from here, Neon. Time to go wild. An organic reconnaissance unit created to serve. I monitor and measure the strength of darkness, the crystal's light, and the reach of chaos. Watch my back! I'm counting on you! Donc ouais, il a bien été créé. We're in for it now. Come on, we can do this! I better tread carefully. Don't drink them all at once. No room for mistakes. Getting desperate. Go. C'est pas ça. Save some for the rest of us. Hey, be safe, guys. Oh la vache, les dégâts! Take it from here, Neon! Vicious bastard, aren't you? Vous avez vu les dégâts de du tir là à 3 PM? Ça fait super super mal. Your memories will be stored in this device. Be sure to bring it back. Understood. Be aware that storage space is limited. When that limit is exceeded, you must cease your activities and await extraction. From where? It varies. Just contact Astos when you're ready for pickup. Astos? Our newest organic reconnaissance unit. We'll show it to you later. I don't see much point. I'll forget about it either way. But Astos won't forget you. By the way, I know I must have asked this a dozen times before, but why do we have to forget? Simple. To ensure our glorious future. Organic Reconnaissance Unit Astos at your service. Thanks to the benevolence and technology of your people, a simple Cornelian elf like me was reborn to aid your glorious cause. Please don't think of me as a friend or comrade. My kind are mere bioorganisms, mass-produced to serve. Truly, I say this out of concern for your well-being. In the past, strangers died for us, sacrificing themselves out of a misguided sense of justice. Pretty stupid of them. It's just a scratch. Nothing a little spit can't heal. Sure thing. I'll keep that in mind. I thought I made it clear. Me and my kin are disposable pawns, grown in droves to die for you. Yeah. I'm just glad you're okay. Pretty stupid of you. Not gonna argue with you on that. Astos, I want you to be my accomplice. With your help, we may be able to change things next time. What would you have me do? Next time we meet, guide us. Show us the way. I don't care how you do it.
They're supposed to change the extraction point every time, you know. But just between us, it's almost always the Chaos Shrine. Careless of them. When rules become mere formalities, well, that's when things start breaking. The preparations are complete. Good luck, and be careful. Hey, Astos. Wanna come with us? Huh? Don't you want to go home? It's not a matter of what I want. It's against the rules. Then I'll change them. I'll fight for you. You'll just forget. I won't. Don't get my hopes up. I promise you, I won't forget. Next time. I will bring you back. Goodbye, Jack. See, you forgot. Astos. I don't blame you. They're the ones erasing your memories. It's not your fault. I know all that, and yet I still hated you for it. I resented you for forgetting me. Forgive me. I wish I could forgive you. But it's too late. There's no room left in my heart for that. We need to talk about what comes next. The enchantment on those Lufinians will be undone the moment I draw my final breath. But as the magic fades, so too will their lives. We'll go to the grave together. Honestly, I'm amazed at how much hatred they can bear. Our darkness will merge into a veil that will shroud the entire world. Jack, fight the beasts that emerge from our shadows. Destroy them all. Every last one. Chaos finds its genesis when darkness and emotion become one. Wherever it rears its head, be there to cut it off. From there, all I can ask is that you follow your conscience. Though it may lead you into the heart of darkness itself, never stop. Never. This is the last gift I can give you. Use it well. Oh. Punish the Lufinians for their arrogance. Protect Cornelia. You forget. We're Lufinians too. That doesn't matter. Not anymore. From this day forward, you are the warriors of light. Jack, we can't stay here. Let's go.
Ça devient plus clair. La côte abyssale. Pas mal. Ok, on retourne à Cornelia. C'est parti. Ah, ça devient, ouais, ça devient spécial. Hein. On va devoir se rebeller contre les Lufeniens. J'espère qu'on en apprendra plus sur eux, par contre. Genre voir comment ils vivent et tout ça. The source of all Cornelia's woes are those damn Lufenians. But we don't even know where to find them. It's a mercy to forget. Don't make me laugh. They fed us fancy logic and false rationales, but it was all bullshit. They erased our memories to keep us from the truth. What's our next move? We make Astos' dream come true. We free Cornelia from the Lufenians' meddling. Come on. Ah bah oui, c'est toujours le bordel hein, dans le château. Pire en pire. We made a promise to Astos. Let's go. Je crois que c'est un c'est juste légèrement de pire en pire ici. Il va plus rester grand monde. You remember now, right? It's our job to guide him. No cold feet. Ah. Jack can't do this by himself. He needs us. Agreed. That is the reason why we're all here. Can't let him down now. Okay, Mjolnir, non. Ah, on peut utiliser aussi les lances, c'est vrai. Normalement, on va rester avec les points, c'était pas mal. Par contre, on va peut-être enlever ça, c'est pas vraiment très intéressant. Ok, vous êtes prêts les gens, on y va. Bien. C'était par terre? Sans déconner. What the f... Mais sans déconner. Ah, c'est relou. Hein. J'ai plus de potions et tout, c'est magnifique. Take it from here, Neon. Le machin, il est imprédictible en plus. Fait.
là. Ah bah, putain, on va passer un bon moment ici. Vache. Ah, il y en a encore un, quoi. Pourquoi j'ai plus de vie? Ah, c'est l'autre qui m'a... qui me tombe dessus, j'imagine. Vivement qu'on finisse le... la classe parce que... Je parle pas trop parce que... J'essaye de me concentrer un peu parce que ça me gave. Elle a volé, ça marche bien. C'est juste que... ouais, c'est, en fait, c'est super puissant, mais ça coûte 2, c'est chiant. Mais c'est pas mal, là, comme ça. C'était quoi ça, un contre ? Merde. Je vais me tuer ce con. On peut lire le signe. Oh non. Il y a des flancs. What'll happen to Cornelia? We're protected. We have no other choice. No need to fear, Neon. There he goes. The Warriors of Light. We'll swoop in and save the day. Oh, no, no. J'arrive à mieux enchaîner les enchaînements quand même. Ça se passe un peu mieux, on va dire. Ah, mais j'ai plus de potions, quoi. Oh là là. Ah, c'est violent en fait. Alright. Ah, mais lol. J'avais pas vu ça. J'avais mis deux fois. C'est quoi ça? Épée sacrée, lame bénite.
C'est quoi ça, l'âme bénie? Sympa. Régénère les PV selon les dégâts infligés. Ouh. Épée sacrée. Propulse de lumière en arrière. Après activation, votre arme inflige temporairement des dégâts élémentaires de lumière. Ok. All right. This is the one. Non, viens de là. Non. Non, si. Si, je l'ai pris à l'envers. Faut aller vers le château. Le blackjack, c'est bien pour le fait qu'on monte de niveau et tout ça, tranquille. Après, on arrêtera de l'utiliser un jour. Take it from here, Neon. Non, non, non. Putain, il m'aggrave. Va te faire bien mettre. Oh là là, putain de truc de merde. Oh la vache. Nique-toi. Je me rattrape pas tout. Hein. Bon, ça ira, merci. Take it from here, Neon. Non mais sans déconner quoi. Pas mal ça. Faut que j'utilise un peu plus voler quand il y a des gros trucs en fait. Parce que le fait de taper, de décupler les coups là comme ça, c'est magnifique en fait. Sarah. Not here, at any rate. Eh ben, il y en a qui sont morts. Il y avait quoi, le roi, le conseiller et une des filles. Enfin, pas Sarah, l'autre. Eh ben. Everyone, you're okay. Ah non. The king, queen, and minister have gone outside to try and restore. Oh, la reine, oui. Have you seen them? Are they okay? Nope. Sorry to disappoint. Jack, is there any way I can help? The city is choked with terror and fear.
when that mixes with darkness, chaos takes hold. In other words, Princess, your city is the most dangerous place in the world right now. Are you telling me to flee my city? My people? To run away? I cannot do that. It is my duty to share the fate of my subjects. Stay here and you'll be at the mercy of the darkness. We can't let that happen. If that is my fate, then so be it. Winker wants you outside. She'll see sense when there's no choice but to run. Got toujours it. Dans la dentelle, c'est bien. You lot keep the princesses safe. I'll carve us a path out of here. Keep up. Jack dans la dentelle, toujours. Très délicat. Mais au moins, il règle les problèmes. Moi, j'aime bien. De toute façon, il faut ça dans la vie. Hein. Faut régler les problèmes. Et on y va. Ash, on est seul. Don't have to tell me twice. Jack, don't worry about what's behind you. Focus on what's ahead. Tu vas me dire que je vais combattre seul là? On déconne ou... Et je peux zapper les combats parce que là, non merci quoi. J'imagine que non. Ah. You revived the crystals. This is all your fault. Damn right it is. Warriors of light. Don't make me laugh. You're nothing but servants of chaos. So what are you gonna do about it? Ooh. Wanna die here? Go and die. If you want to live, follow us. Non, mais je vais pas combattre les machins solo, hein. Je suis à moitié mort. Non, mais sans déconner. Me? Chaos? What a bunch of idiots. That's ridiculous. Ouais, mais non, là, je le fais pas, là, solo. En plus, il y a des armes. Mais c'est les pires des pires, en plus, ils me mettent. Les Ahriman et tout, quoi. Save us, please. Now you want our help? I never doubted you. Not for an instant. It's dangerous here. Link up with the others behind me. Thank you. Thank you. Encore eux qui nous laissent passer en courant, parce que... Oh la vache. Là, c'est le moment où Parce que, ouais, niveau de mission, 120, ouais. C'est genre le moment où je dois, farmer, avoir du bon équipement et tout. Si je devais vraiment tuer tout le monde. Après, j'imagine que je vais potentiellement me taper un boss solo, par contre. I've never been struck by anyone before. Ah, t'as aimé? I had no other choice. Watching you risk your lives to save us made me realize something. I was wrong before. Mia and I must survive. We must become beacons of hope among the chaos that all may look to in times of doubt. As royalty, as leaders, that is our truest duty. I realize that now. My sister is right. We'll be the light of hope for you all. You're right. Yeah. Yes. My people, there is no need to despair.
we shall face these hardships as one. And as one, we shall overcome them. There's always hope. We'll be alright. I'm taking a walk. We're with you. Her Highness will save us. Sarah's with us. Doesn't seem like much has changed out here. So where to? I was thinking Pravica might be good. Plenty of space, no people. Smart. Neon, go get the others. Think Sarah and her people can make it that far? Jack, get over here now! Oh, qu'est-ce qui se passe? Genre elle se transforme en créature, ça y est. Oh la vache. Pourquoi vous avez pas continué? Au lieu de parler comme des abrutis là, pourquoi vous avez pas continué et vous êtes pas sorti? Oh là là. Non mais non. Non mais non. C'est parce que j'ai couru, c'est ça? Non mais jamais, hein. Non mais non hein. Ah bah là c'est le moment où je mets fin à l'épisode. Ils viennent pas quoi, c'est ouf. Oh là là. J'aime bien parce qu'ils peuvent pas se toucher en plus, donc ils peuvent bourriner comme des connards. Hein. C'est cool. Ah. Peut changer de. I'm ready.
toi. En fait, peut-être que ça peut aller. En fait. Bon, là, j'ai plus de potions, par contre. Donc c'est un peu la merde. Ouais. Non, mais non, bon, ça va, en fait. Ils sont pas aussi vénères que normalement. Ils ont l'air d'être moins agressifs, en fait. Ok, on va se mettre là-bas. Mal. Yeah, bébé. Il a crié Sarah ou quoi? Ah la vache, oh, c'était chou. Ça va. Enfin, c'était pas trop difficile en fait. Ça va. Il faut être grave optimisé si on veut le faire en mêlée. Hein. I love this song. You can borrow it if you want. No, it's okay. I memorized it. I think it'd be wonderful if I could adapt this song to the lute. Will you come hear it once I've finished? I'm a stranger here, likely to wander off before long. And when I do, you'll forget me. I'll never forget you. You sure about that? Of course I am. You never forget your first love. Oh. I never asked your name. It's Jack. Stop. I meant your last name. Oh, Garland. My name's Jack Garland. That's a lovely name. Oh. Du coup, c'est lui le chevalier. Je crois. Il faut que je regarde. Jack. May the crystal's blessing be with you always.
Sarah, I'd like you to have this. But... Ouais, c'est bien ça. This is very special to you. You've never even let me touch it before. A friend gave me some advice once. He said, you've got to be crazy if you want to change the world. Has the world changed for the better, Jack? All I see are more scars. Donc quoi, elle aussi, elle a perdu la mémoire? Mais Garland, il est le méchant dans FF1 ou pas? You see now, right? The Lufenians rip holes in reality, dispatching strangers like you as regulators. If the balance of light and darkness fails, they won't hesitate to reset the world. They couldn't give a damn about Cornelia or its people. What are you talking about? I'm guiding you like you asked me to. They can't control chaos. That's their weakness and our opportunity. This is the third time we're having this conversation. This was all your idea. Memory is the cornerstone of emotions. Allow them to overwhelm you, and it won't be long until they warp you into something unspeakable. Become corrupted by chaos, and you will no longer be permitted to return. Veterans are precious resources. Do not slip up. Though darkness is a controlled substance crafted and introduced with great care, when it bonds with powerful negative emotions, it forms chaos. By manipulating your memories, we can repress your emotions to some degree. But if chaos takes root, you are lost to us. It's now or never. Yeah, I think so too. The rest is up to Jack. Time for the finishing touch. It's a shame what happened to the royal family. Still, I had fun this time. Jack! Give in to your emotions. Let the darkness take hold. The only thing Lufenia fears is something it can't control. Chaos. Are you crazy? Non mais sans déconner, vous êtes sérieux les mecs? Est-ce qu'on est vraiment potes au final? Mais et les mecs, et je vais vous Jack, péter la gueule. The chaos that gnaws at this world is the final sad end for fallen strangers who lost their battles against darkness. You saw that when we defeated the fiends. Exactly. We aren't warriors of light, Jack. We're pawns the Lufenians unleashed in an unwitting world, destined to fail time and time again. Oh, vous êtes pris des météores. Who don't belong here. This time, Astos played his part as guide flawlessly. Until now, we've never made it this far alive. All that's left is for you to master the darkness. Tiens. Defeat the darkness, Jack. The darkness is our enemy, no matter what form it takes. Muster every ounce of strength, for it is you who will die here. Sophia, you too? I'm disappointed in you. I guess you'll just have to die. That's not gonna happen. Never forgive Lufenia. They don't deserve a future. Je vais vous défoncer. You're mine.
I play my role right? Sorry, it must have hurt. Sorry, Jack! No! That's not Jack. Bash. You really are tough. Classic Jack. Nothing ever goes as planned. Indeed. But I'm more than sick of failure. Why? This time, protect her. This world needs chaos. Embrace hatred. Loathe this world. Despair at your own impotence. I hate it all. This world deserves to burn. Change the world. Or remake it. Set it free. I'll be waiting on the other side. The rest is up to you. Satu. How could I? Satu. Your time saw it through. No regrets. What? Donc on va. On va devenir. Grâce de la lumière lunatique. Lunatique? On va devenir Garland avec genre l'armure et la grosse épée et tout ça. What? What have I done? My mission is to kill Chaos. That's all I know. Me too. Good. We're all in the same hunt. No. Hey. You might not like this, but you know I like to speak my mind. No. I am Sophia. Well met. And now the wind crystal shall be made whole. When darkness veils the world, four warriors of light shall come. And I only count three of you. He's good. Better than good. Only Jack can fight like that. Glad to see he's back. Took long enough. What? Oh, on est loin d'être les guerriers de la lumière là quand même. Hein. What have I done? Let me forget. Let me forget. Please. Make it stop. Eh ben. What am I supposed to do now? Oula. Jed, Neon, Sophia, what should I do? Astos, help me. They're supposed to change the extraction point every time, you know. But just between us, it's almost always the Chaos Shrine. So it all leads here, the Shrine of Chaos. Okay. Donc tu veux retourner à Lufenia et défoncer tout le monde, c'est ça? Ils sont prêts à être guerriers à la fin du voyage. Chaud. Tout le monde est mort. Ah, l'épisode risque de durer un petit moment du coup. C'est la fin du jeu.
On met tous les points. Après, si on est seul, on va faire le tir. Hein. Chevalier dragon. On peut avoir une wyverne. Oh, on a le saut. Ok. Alors, flambeur. Griffe du duel. Attends, on va remettre ça. Non. Ça. Ouais. Top punch. Ouais, c'est sympa ça. Ouais, on va mettre top punch à la place. Ok, bon bah on va continuer. Oh, ça m'intéresse moi. Jack et ses compagnons se souviennent d'Astos. Castos était l'un de leurs après avoir été exposé. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant ce truc. Exposé à la grande quantité de brume émanant de ce dernier. Respectant ses dernières volontés, il décide alors de protéger Cornelia de l'intervention de Lufenia. Cependant, lorsqu'ils rentrent au royaume, ils font face à une ville ravagée par les monstres. Ils parviennent à emmener les princesses en dehors de la ville pour les protéger, mais un monstre parvient malheureusement à porter le coup fatal à Sarah, qui rend son dernier souffle dans les bras de Jack. Afin de le pousser davantage vers le désespoir, ses compagnons l'attaquent alors qu'il est meurtri, brandissant son épée de manière incontrôlable, il finit par être submergé d'émotions négatives et élimine ses alliés. Oui. Ses alliés de ses propres mains. Maintenant entièrement dominé par ses émotions, Jack se remémore les paroles d'Astos et se dirige vers le temple du chaos où s'opère l'exfiltration. Let's go. On peut observer depuis que les étrangers ont commencé à être envoyés dans ce monde. Personne ne connaît la raison pour laquelle ce lieu où se concentrent d'épaisses ténèbres a fait son apparition, quoique c'est probablement vous qui l'avez créé en le souhaitant du fond du cœur après votre réincarnation en démon, car vous vouliez l'y attirer. L'endroit où tout a commencé sera certainement là où tout prendra fin. Donc, oh, on est super vénère du coup. Alors, un avenir sain et juste est certainement ce à quoi tout le monde aspire. On peut facilement voir, selon le projet de l'Ufénien, que l'existence d'êtres vivants à Cornelia n'est pas nécessaire pour atteindre cet avenir. C'est vrai, leur projet est parfait pour garder l'équilibre. Jack, c'est pour cette raison précise que tu dois réaliser ton objectif. Tout ce dont tu as besoin est prêt. Rends-toi dans les profondeurs du Temple du Chaos. We finally partitioned ourselves off from that vile, obsolete world. We cannot allow them to re-establish the connection from their end. That is why we need to keep monitoring the balance of light and darkness. If it looks like it will crumble, then we inject darkness to reverse the course, or reset the world, if need be. Of course. If I could reset the world. Oh. No. That's not enough. I need chaos. Chaos! Quand l'harmonie qui l'habite sera violemment rompue, autrement dit son cristal noir, ou que sa lumière intrinsèque présentera des changements majeurs, ceci produira une importante singularité distorsionnelle dans le monde. Ainsi, lorsque les ténèbres du monde s'y rassembleront et se superposeront à la lumière qu'elle possède, ces deux éléments ne se neutraliseront pas. Ils engendreront plutôt un chaos immense. C'est ce qu'il doit chercher à accomplir et il doit l'accepter. C'est peut-être la raison pour laquelle il a quelque part besoin d'elle et souhaite la protéger. Ah ouais.
Donc du coup, qu'est-ce qu'il veut faire exactement, Jack, à ce moment-là? Genre tout détruire, retourner à Lufenia, genre reset le truc, il a dit non. Devenir chaos. Je sais pas trop. Très bien, casse-toi. Pourquoi je passe par là? Écrase tout, hein, bien sûr. J'aurais pu prendre l'échelle, j'ai vu. Ok, par là. Halle de la lumière perdue. Hall de la lumière perdue. On va essayer de tracer parce que bon. Ah mais on a MP infini en fait, je viens de voir. Je me disais aussi. J'aime bien la voix. Ok, qu'est-ce que ça dit? Attends, pas on va te détruire ça. Alors, ténèbres du chaos, quelle peut bien être l'apparence de celui que l'on appelle chaos? Elle est probablement différente pour chacun, mais il y a toujours un point commun. C'est une aberration qui stimule les émotions négatives. Je me demande quelle forme prendra celle qui apparaîtra lorsque la colère et le désespoir de cet homme fusionneront avec les ténèbres. Ce sera probablement le paroxysme du désespoir pour Lufenia, mais l'unique lueur d'espoir pour nous. Genre détruire Lufenia. Moi je pense que c'est ça serait ça. Pour éviter que Lufenia continue à jouer avec avec Cornelia en fait. J'aurais pu vraiment passer par l'échelle en fait. Jack 3, ce monde est un lieu abominable où la nature, les êtres vivants et les étrangers sont à la merci des Lufeniens qui ne cessent de répéter leurs expériences de lumière et ténèbres. Lorsqu'il a réalisé tout cela, il est naturellement entré dans une rage profonde contre eux et a cherché à leur faire face. C'était un homme au cœur pur, déterminé à accomplir sa volonté et à combattre quand bien même cela serait déraisonnable. C'est peut-être les Lufeniens qui ont conçu la personnalité de Jack ainsi, mais c'est également pour cette raison que j'ai confiance en ses sentiments et sa détermination. Même s'ils ne se souviennent ni de moi ni du plan que je leur ai proposé,
Je les guiderai au péril de ma vie s'il le faut. Oui, je les libérerai de ce monde injuste et les guiderai vers un immense chaos en espérant que ce sera une récompense suffisante pour ceux qui m'ont accepté. Eh ben putain. Triste quand même d'en arriver là. Enfin, il le mérite hein, de toute façon. On va voir par là. Ah, y a rien. Ah, il le mérite hein. C'est marrant d'avoir MP infini, on peut se buffer à l'infini avec le avec l'autre classe. C'est assez drôle. Alors, Sarah 3, il renaîtra dans cette singularité distorsionnelle. Mais ce ne sera pas suffisant tant qu'il n'acceptera pas les ténèbres du chaos s'y trouvant. Le même principe qui s'applique lors de l'émergence des démons s'impose. Les ténèbres produites par cette singularité se transformeront en de véritables ténèbres en fonction de leurs émotions et de leur désespoir collectif. Elles poursuivront alors afin de s'emparer de sa détresse. L'ensemble des ténèbres lui serviront de guide, qu'elle ait été introduite par Lufenia ou produite dans ce monde, il ne me restera ensuite qu'à envoyer le tout là-haut grâce au téléporteur que j'ai préparé. Le pouvoir de réinitialiser le monde est nécessaire à l'aboutissement de ce projet, n'est-ce pas, Jack? Ash, Jack, Neon, Sophia, you were guiding me, weren't you? Setting me up to become chaos. Mais de reset le truc, le monde et tout ça, ça va pas les sauver des Lufeniens, on est d'accord. Le mieux, ça serait de retourner à Lufenia en fait en tant que chaos et de tout détruire. Enfin, je pense, hein. Les Lufenians don't deserve a future. I'll use their power against them. Voilà. And the power they fear the most. I'll tear it all down. Everything they hold dear. Only then will I end this ridiculous farce. Voilà, ouais, en gros, ce serait ça. Warning.
Chaos infection. Warning. Chaos infection. Ah, oui, oui, oui. Extraction denied. Extraction denied. Initiate immediate memory erasure and pacification. Ah, ils avaient dit ça. Screw you. Screw you. Screw you all! Warning. Chaos infection. Warning. Chaos infection. Oh, il arrive à passer. Ah, ça c'est cool ça. Ouais, ils avaient dit que si jamais ils étaient infectés, ils allaient se faire reset et détruire, peut-être. Mais ils peuvent pas rentrer. On va voir la ville, genre ce que c'est, Lufenia. Decompression in station 19. Positive ID. Senior agent Jack Garland. He's completely corrupted. But this wasn't in Astos' report. He's a traitor. That's why. Contagion confirmed. Report! Unknown. Suspected metaphysical anomaly. Corruption. Spreading. If this continues, he'll reestablish our link to the old world. Then we have no choice. Reset it. I see no other option. Activating dimensional crystal matrix. Preparing to initiate world reboot. Agent Jack Garland, can you hear me? Clear as day. The station you're in is infected. We're going to reinitialize it along with the old world. We've got no other choice. Avec l'ancien monde. Who do you think you are? He's unintelligible. Likely due to chaos corruption. Jack, acknowledge. Who the fuck do you think you are? C'est énorme. Dimensional crystal matrix ready. Standing by. Do it. Activating. Who the fuck do you think you are? C'est énorme. Bastards. Wanna play God? I won't let you. I'll rip that power from your hands and make it my own. Ah, honnêtement, c'est super cool. J'adore. J'adore comment l'histoire avance. Matrice cristalline dimensionnelle. Ah, ok, je la défends. You bastards don't deserve the right to play God. Ready? Incoming. Donc ça, c'est la matrice pour... Ils ont activé pour réinitialiser le truc. Ok. Donne-moi un truc à faire là. Ok. Ah. You're wasting your time. This soul is mine to devour. A feast fit for chaos. Now I'll swallow you whole, and even those damn fiends will kneel to me as their lord. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais plus exactement l'histoire du 1, de FF1. Genre original, hein. Je l'avais lu. Je crois que c'est quoi? C'est Garland qui kidnappe la princesse. Un truc comme ça. I know who you are. I am Darkness Manifest. The sum of the world's fears. You stand before despair given form. You stand before chaos. Shut up! The mantle of chaos is mine!
Wow. I claim your darkness as my own. Ambition. Good. Now show me that you are worthy. Bear your soul to me. Oh, vous avez vu les têtes? You asked for it. Just don't flinch from what you see. Je crois que c'est les têtes de H et tout ça, les compagnons qu'il a dans le sur, autour du cou. Putain, j'ai l'impression de combattre Virgile quoi. Okay. Virgile, quand il a un monstre géant. Ah la pute. Ok, ça marche, ok, j'ai compris. Son ennemi. Oh la vache, t'es sérieux? Je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal. Ouf, 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 ouf. Ça a du sang et ténèbres du chaos utilise des attaques des quatre éléments. Cœur en puissance, torse et prudence. Super. Ça mène, mais alors pas du tout, c'est cool. Je fais de la merde. Voilà. Explain yourself, Jack. No! Shut up, asshole! Stand back and witness the birth of chaos! Then watch as your plans turn to dust! Ah, nique-toi! Water? Oh là là, nique-toi! Je sais pas. Je crois que je vais devoir prendre 5 minutes pour. Time for a change. All right. Jouer un peu stratégique. Juste quand je relâche, putain, mais je suis un connard. Je pense que je peux le faire au, au corps à corps. J'arrive pas à la putain de toi quoi, mais c'est ouf hein. Okay.
back and witness the birth of chaos. Then watch as your plans turn to dust. C'est mort. Je vais pas y réussir. Je peux pas rester à distance. Je peux pas. Putain de merde. Chevalier du néant, il est pas vraiment augmenté. Il y a le samouraï qui peut peut-être le faire. Samouraï au katana, bien sûr. Vas-y. Ah, ça va pas être bâtard. On va te faire mettre. Quand il est feu, peut-être faudrait lui envoyer l'eau. Oh là, j'arrive pas. Explain yourself, Jack. No! Shut up, asshole! Stand back and witness the birth of chaos! And watch as your plans turn to dust! Non, mais j'y arrive pas. Bah, ouais, par là. Si je fais un putain de combo. Je suis pas équipé pour jouer seul en fait. Paste. Je suis un basse qui fait les pastes. Quoi là, la lame ténébreuse? Ah, mais c'est deux. C'est bien. Pourquoi je... Bon. C'est le moment où, comme souvent, on va faire une pause.
Et je couperai et je reviendrai quand j'aurai fini le combat. Je vais regarder mon équipement et tout aussi, parce que là c'est la merde. Je suis pas en fait fait pour combattre seul. Parce que, bah voilà, on a mis tout en auto depuis le début, j'ai jamais vraiment augmenté mon équipement ou quoi que ce soit. Donc ouais, je reviens. It isn't over. Foolishness. Eliminate the target. Eliminate. Ah, yes. Every last one of you arrogant bastards sounds like a fine idea. No more false gods. I hope you're ready to die. Jack, let's talk this out. What do you want? It's not enough. That's still not enough. Thank you.
Eh ben. Central is given clearance to isolate and detach Station 19. Control is to be transferred to the next station. Agent Garland, you are hereby discharged. Goodbye, Jack. Lufenia thanks you for your service. You give Central a message of resignation for me. You'll never cast off your shackles to the old world. Not as long as you continue to flush your darkness into Cornelia. So I'll bide my time. Gather my strength, and use that link to return someday. Mark my words, I'll be back to wipe all of you from existence. I'll burn your precious Lufenia to the ground! That is absurd. You saw the power I now wield. Chaos, unpredictable, uncontrollable, while our technology advances by the day. While you're down there, Jack, do remember to keep an eye out for the Warriors of Light. Balance is everything. Champions will arise one day to bring you low. What the hell do you know about Cornelia? Here's a tip. There's no such thing as the Warriors of Light. They're just empty hopes, false dreams, childish fantasy. Oh. Who knows more about what makes a warrior of light than us? I get it now. Hey, boss, don't bother sending any more strangers. What are you talking about? What's so funny? Answer us! Not a chance! Genre quoi, il a tout absorbé dans le cristal pour éviter de tout... Je sais pas ce qui se passe. C'est... Jack, il est parti dans... Il est parti, hein. Il fait son truc. Là, je suis plus trop, en fait. C'est un peu compliqué, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire, exactement. Il essaye de tout détruire, de détruire Lufenia, mais... Apparemment, ils l'ont coupé. Donc du coup, il est de retour à Cornelia. Voilà. The reset was successful. Ah. This was all part of our plan, wasn't it, Ash? Il a tout mis dans le cristal pour pas oublier, c'est ça? À la fin, là, quand il tient le cristal dans la main. Sorry, Jed. It was never a mercy to forget. You are right. And I should have listened. Leon, sorry to get you mixed up in all of this. Thanks for sticking with us till the end. Sophia, this is our world now. I won't let those bastards use it as their plaything. Those of you who love Cornelia, never give up hope. The Warriors of Light will come one day. Après, est-ce que c'est canon avec l'original de FF1? J'imagine que non, parce que l'histoire ne devait pas être aussi compliquée. Genre Garland, est-ce que c'est vraiment aussi compliqué son histoire? Je pense pas.
Oh, tous les démons. Welcome home. Don't you think it's a little dark in here? We're storing it all here for now. It's still about 2,000 years before the reign of our friend, the king. We wove the threads of darkness to pull you back through time. Lufenia's tentacles can't reach us here. You're in a good mood. I've got a fun plan. Do tell. We'll train the Warriors of Light ourselves. Interesting. How? The Warriors of Light will be born in Cornelia. Just like you were, Neon. Of course. They're Cornelia's hope, after all. Makes sense they'd be from there. Hope. Despair. Lufenia won't dictate these terms to anyone anymore. I've been wondering, when did you all start scheming to turn me into chaos? He's good. Better than good. Only Jack can fight like that. Glad to see he's back. Took long enough. What? Our memories are fragmented, incomplete. But then we started putting all the pieces together. It was touch and go there for a while. We'd have never figured it out without those hints Astos gave us. Well, there were some unplanned sacrifices. And yet we pulled it off. Kudos to the brilliant mastermind behind it all. Mastermind? Astos, I want you to be my accomplice. With your help, we may be able to change things next time. Be safe, Jack. May the crystal's blessing be with you, always. Sarah, I'd like you to have this. But this is very special to you. You've never even let me touch it before. A friend gave me some advice once. He said, you've got to be crazy if you want to change the world. And is that what this is? Crazy? Perhaps, but it's only the beginning. Then what happens next? Let's see. How about I spirit you away to my dark castle? Father will send his armies. Oh, I won't stand a chance. But the Lord of Chaos might. Maybe I should change jobs. Then the Warriors of Light will come. Oh, et ça c'est FF1, je crois. They're welcome too. Je crois que ça, c'est Final Fantasy 1, du coup. Cloaked in gloom and veiled by shadow, we await that fateful day when the Warriors of Light arise. Although their glow may be faint at first, even a sputtering candle is brilliant against the black of night. And so, we will plunge this world into the depths of darkness. Ah, c'est lui avec les cornes.
C'est sympa. C'est sympa. Je vais sûrement couper la musique parce que YouTube va pas aimer. Donc ce que je suis en train de lire là, parce que vu que j'y connais pas grand chose hein, à FF1, je sais pas si ça a été écrit avant ou après la sortie de Stranger of Paradise. Initialement, guerrier de Cornelia Garland, rongé par sa soif de pouvoir, finira par enlever la princesse du royaume. Lorsque les guerriers de la lumière l'ont battu, il fut miraculeusement sauvé par l'énergie des cristaux et renvoyé 2000 ans dans le passé. Donc c'est ce qui s'est passé là en fait. Il envoyit les quatre démons pour drainer l'énergie de la planète afin de devenir assez puissant pour créer la boucle temporelle qui permettra de le sauver 2000 ans plus tard et ainsi demeurer immortel. Garland fusionna avec le dieu Chaos en le tuant dans le passé. Les guerriers de la lumière mirent définitivement fin à la boucle. C'est intéressant. Donc nous, on a joué quel moment en fait dans cette histoire ? En gros, ce qu'ils ont fait dans ce jeu-là, ils ont rajouté le côté Lufenia où Garland venait d'un autre monde, on va dire. Et pourquoi il est devenu chaos. Enfin, pourquoi il est devenu méchant, on va dire. C'est intéressant, j'aime bien comment ils ont fait l'histoire. Honnêtement, ceux qui font Final Fantasy... Certains FF ont des très très bonnes histoires, hein, genre comme le 7 Remake, qui est encore plus intéressant si vous avez joué à l'original. Honnêtement, c'est encore super, c'est nettement plus intéressant si vous avez joué à l'original, et après de jouer à FF7 Remake. Parce qu'il y a tellement de trucs qui changent et tout ça, les histoires elles sont recréées en fait, c'est énorme. Et là c'est pas mal, là j'aime bien. Donc FF1, du coup, c'est donc 2000 ans après, quand il y a le guerrier de la lumière qui va sauver la princesse, en gros. Bon, ça fait un peu cliché, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et apparemment, du coup, les guerriers de la lumière mirent définitivement fin à la boucle. Donc après, bon, Jack, il a été tué, je pense, au final. C'est intéressant. J'aime bien quand les histoires sont un peu compliquées comme ça, mais qu'elles ont du sens et tout. Surtout de reprendre des vieux jeux et d'épauffer en fait l'histoire, c'est vachement intéressant ça. Kojima aussi le fait souvent avec les Metal Gear. Bon, après, il y a des plot holes dans Metal Gear parce que c'est tellement compliqué. Mais genre le 5 avec Venom Snake et tout ça. Enfin, je vais pas le dire si les gens ont pas joué à ça, mais... Mais c'est super intéressant aussi, en fait, ce système-là. Et je trouve ça vachement intéressant, là aussi. Qu'est-ce qu'ils disent sur le Wikipédia, sur Jack Garland ? Parce que là, je regardais Garland de FF1, en fait, pas Jack. Jack Garland... Donc, il explique de Lufenia... Donc, et c'est marrant parce que les quatre amis, en fait, ouais, c'est les quatre démons, quoi. Ah, mais là, ils expliquent toute l'histoire, en fait. Ouais, il embrasse l'identité de Garland et kidnappe la princesse Sarah. Et il attend pour les quatre guerriers. Oui, parce qu'en fait, c'est pas le guerrier, c'est les guerriers. Il y en a quatre en tout. C'est marrant, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je suis en train de lire le Wikipédia en même temps qu'on regarde la fin, là.
Voir s'il y a d'autres choses à raconter. Non, il n'y a pas plus vraiment. Non, mais c'est ça en fait. Personnage joueur dont le but est de tuer Chaos, il porte un orbe de cristal obscurci qui résonne avec ceux qui en possèdent. Moins. La musique est sympa. Ben je trouve ça super cool. On va zapper, je pense. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que l'on pourrait rajouter? Ouais, non, c'est vachement bien. Honnêtement, je suis très content de l'histoire. Vraiment très très content de l'histoire. Même pour moi qui n'ai pas joué à FF1, je connais un peu et tout ça. Et bon, j'ai dû quand même aller sur le Wikipédia pour en savoir plus. Mais même rien qu'avec ça, ça me plaît beaucoup en fait de voir ce qu'ils ont fait. Je trouve ça super intéressant. Rien que le gameplay et tout ça, il est vachement bien aussi. Hein. Le gameplay est superbe. Vraiment fun. Encore une fois, il y a énormément de Nioh 2. Il y a plus de Nioh 2 dans ce jeu-là que dans Wulong, hein, encore une fois. Hein. Tout est bien. Il n'y a pas de truc chiant, en fait, dans ce jeu-là. Il fait très bien ce qu'il fait, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, ouais. Tout simplement, il fait très bien ce qu'il fait. Donc Garland, techniquement, il est pas... Pff, ah, il est pas méchant, mais... Un peu. Un peu. Et c'est qui les guerriers de la lumière dans FF1, du coup? Parce que je les confonds. On va regarder ça, puis après je zappe les crédits, si jamais... Si ça continue. Donc il y a le guerrier de la lumière... L'angère qui a reçu la grâce de la lumière, muni de son épée et de son bouclier, il excelle dans tous les aspects du combat. Ouais, mais ça c'est Dissidia. Putain, qu'est-ce qu'ils me mettent des... À chaque fois que je recherche quelque chose sur FF1, ils me mettent que du Dissidia. En fait, sur les vieux FF, ils mettent beaucoup de Dissidia en fait. Alors, les guerriers en lumière sont les personnages du joueur du Halo Infinite. Celui-ci choisit une équipe de 4 personnages parmi 6 classes possibles. Ah ok, alors le guerrier... Le mage blanc, le moine, mage rouge, mage noir. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le 1. Mais c'est qui Terra et tout? C'est dans les autres FF ou c'est... Genre... Final Fantasy Terra. Terra, c'était... Ouais, c'est le 6. Ok, c'est avec Chevalier Oignon, je crois. Et tout ça. Ok, ça marche. Allez, on zappe. Mais en tout cas, il a protégé Cornelia dans un sens de Lufenia, du coup. Ah, du coup, là, c'est le début de FF1, en fait. Genre 2000 ans après, il est revenu et il a kidnappé la princesse. Après, le fait que ça, qu'il y ait du cristal partout au début, hein, on savait très bien que Jack c'était plus ou moins le méchant. Après, il la ramène dans son château, et après, il y a les guerriers de.
de la lumière qui vont le chercher, tout ça. Elle est classe cette cinématique, elle est vraiment très belle. Très très belle. Et elle est super gore hein, pour un FF, hein. Faut l'admettre. Super super. Des gens découpés, du sang partout. Ça c'est joli ça. Ah, du coup, je me demande les démons là qu'on combat. Bah, du coup, nos amis là qui deviennent démons par la suite ou un truc comme ça. Est-ce que c'est les. Je pense que ça doit être les mêmes qu'on doit sûrement combattre dans FF1. Donc, ceux qu'on fait FF1, ils auraient peut-être un. Une sorte d'indication. Oh, est-ce qu'il y avait ça au début ? Je me rappelle plus. Est-ce qu'on voyait, on le voyait comme ça? Oui, sûrement. Ouais, genre Tiamat et tout ça. Son nom est Garland. Collectionneur en herbe. Épée du cœur de lion. Cool. Chevalier noir. Alors, souvenir Ben, éclat de l'âme. Vous avez débloqué le niveau de difficulté KO. Débloqué la classe guerrier du cycle du Seal. Obtenez l'équipement du guerrier de la lumière en guise de récompense. Tactique. C'est quoi ça? Déployer la puissance du KO. Les guerriers du cycle peuvent utiliser les techniques de âme du KO et maintenir R2 enfoncé. C'est sûr, réduit les PM max à l'activation, mais permet de lancer les puissants sorts flammes. Commotion, tsunami et tourbillon sur la direction choisie. Ok. Ouais, c'est ce qu'il faisait là, le monstre. Là. Alors, vous pouvez désormais choisir Astos lorsque vous changez d'apparence. C'est changer d'apparence à partir de l'écran formation. Ah, ok. Alors, ceci raconte l'histoire de ce qui est arrivé à ceux qui ont sombré dans le chaos. Le monde du vide. Contrôlé par les Lufféniens, s'est transformé en monde de ténèbres dominé par le chaos. Jack et ses compagnons remontent le temps et continuent de semer des ténèbres à travers Cornelia afin de trouver la lueur d'espoir qui saura dissiper le désespoir et lui donner la force nécessaire pour briser les chaînes du chaos et l'interférence de Lufénia. Accomplissez la mission lueur de possibilités en difficulté chaos pour continuer leur aventure. Ah, ok. Après, il y a quand même une petite erreur parce que, en théorie, l'interférence de Lufénia, elle est brisée. Genre, ils ont dit qu'ils ont abandonné tout ça parce que, genre, Jack avait corrompu la partie et tout ça. Donc, en théorie, ils peuvent plus. Donc, semer le chaos tout simplement pour essayer de trouver des guerriers qui sont dignes de ce nom, en gros, de relever le défi pour devenir des vrais guerriers de la lumière. C'est un peu extrême, en fait. Mais bon, je comprends pourquoi, mais ouais, il y a peut-être ce... Ouais. Ou alors, peut-être que, du coup, ouais, ils sèment le chaos pour éviter que Lufénia puisse reprendre le contrôle, en fait, de Cornelia, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'ils sont devenus comme ça. Puis après, comme il dit, hein, qui connaissent mieux les guerriers de la lumière qu'eux-mêmes? Parce qu'ils ont essayé de l'être. Ils ont combattu des démons et tout ça, donc ils savent ce qu'un guerrier de la lumière peut potentiellement être, en fait. Continent obscur. Ça, c'est quoi, ça? Combat convoité. Ah, non, on me retaper le boss, non, ça ira. Oula, non, ça ira. L'affliction d'un sceau. Éclat de l'âme, c'est ça.
Ah, c'est le continent obscur. Oh, d'accord, c'est combattre Astos en fait en complètement pété, c'est ça. Changer la difficulté, donc maintenant on a Chaos. Le Chaos permet à ceux qui ont terminé le jeu et désirent relever un autre défi de profiter des combats chaotiques d'une extrême difficulté. Je vois un peu. Le niveau cultivé permet d'ajuster le niveau des missions en consommant des cristaux d'anima. En augmentant le niveau d'une mission, vous pouvez obtenir des pièces d'équipement plus puissantes ou des objets permettant d'augmenter la limite de niveau de classe. Pour obtenir des artefacts, choisissez le niveau de difficulté Chaos. Des objets spéciaux possèdent deux affinités de classe et permettent ainsi de tirer parti de la puissance de plusieurs classes à la fois pour devenir encore plus puissant. C'est joli là, l'effet là. 135, 200, ok. 2. Vous l'avez tué maintenant. Et ça, il faudrait le faire aussi. Non, ça va. Okay. On n'est pas obligé de... Genre en toute difficulté, en fait, on n'est pas obligé de le faire, ça marche. Bon, on va regarder ce qu'on a récupéré, puis on va s'arrêter là. Enfin, peut-être que je mettrai les points de mon côté. Du coup, on a quoi? On a Flambeur, Chevalier du Néant. On a Guerrier du Cycle. Donc ça, c'est... Avec les éléments, là. Okay. Je vais voir un peu... Consomme tous les PM afin d'obtenir temporairement les effets suivants. Augmente les dégâts de rupture infligée, permet de réduire la jauge de rupture max de l'ennemi. Exécute une explosion d'âme si un ennemi est vaincu, réduit le coût de PM de compétence à 0. Ouais d'accord, putain le truc. Ah oui, tu te transformes en chaos en fait. D'accord. C'est comme l'illumination mais en mieux, j'ai envie de dire. Ça marche. On peut l'enlever ça. Et fais voir la formation. Comment on fait ? Changer d'apparence. Vous pouvez donner à Jack l'apparence d'un de ses compagnons. La classe, équipement porté et compétences caractéristiques demeureront celles de Jack. D'accord. Ah, c'est ce qu'on a eu. Niveau 200. Wow. Pourquoi on a eu ça? C'est un cadeau. Ça, c'est l'équipement du chevalier de la lumière, du guerrier. Et ouais, il a deux classes à chaque fois. Putain, c'est abusé. Mais avec ça, on va être super puissant. Merde. L'affinité de la classe chevalier. Oui, bah ouais, tu m'étonnes. Marrant. C'est pas censé être le chevalier. C'est quand même moche hein, quand on regarde. Enfin, moche. L'armure est classe, mais en fait, quand on la met en HD, ça fait moche parce qu'elle est pas détaillée du tout. En fait, elle est pas. Elle est très très simple en fait comme armure. Alors genre vous mettez des trucs comme, je sais pas, genre ça par exemple, c'est beaucoup plus stylé parce que c'est beaucoup plus détaillé en fait. Enfin il faudrait une armure, est-ce qu'on a une armure? Genre la côte abyssale, ouais non c'est la même chose. La côte abyssale aussi on dirait un vieux truc en fait. Sûrement. Manteau fatal. Ouais non je sais pas. Ouais bon ça a l'air un peu pété de, je sais pas si je devrais porter ça en fait. Voir un peu. Rends invincible vos attaques ennemies pendant l'illumination. Donc on a chevalier à 600%. Ok.
qui est un peu trop haut. Mantra augmentant les PV max. Ah ouais, putain. Auto-auréole permet de ressusciter une fois lorsque vous êtes invalide. Oh la vache, ok. J'avoue que c'est un peu abusé, quoi. Ah, on peut vraiment faire des trucs super puissants. J'avoue que je pensais pas que ça serait comme ça. Bon, ben je vais moi faire... Je vais voir un peu comment je fais. Si je fais du chaos, si je... Comment ça se passe. Faut que je regarde les DLC aussi, comment ça fonctionne. Je sais pas comment ça fonctionne. Ils ont dit quoi? Il faut jouer en chaos pour pouvoir continuer, c'est ça? Pour pouvoir continuer l'histoire. Donc, un truc comme ça. Donc, ouais, faudrait voir. Lueur de possibilité. Ouais, ça, il y a 2000 ans. Temple du chaos, il y a 2000 ans. C'est quoi? Fais voir un peu. Ah ouais, oui, niveau 200, quoi, merde. Ouais, mais en gros, je vais devoir refaire le jeu, parce que là, niveau 200, c'est pas maintenant. Qu'est-ce que ça dit, par contre? Après avoir péri et répété le cycle, on ne sait combien de fois un homme est devenu le dieu du chaos, possédant le pouvoir de réinitialiser le monde. Tout s'était déroulé selon le plan qu'il avait conçu pour libérer Cornéa de l'emprise de Lufenia. Ça aussi, le fait que y ait cette histoire de reset le monde, en fait, de réinitialiser tout le truc des Lufenia, en gros, c'est Jack en fait qui en prend possession du coup dans un sens. Donc ça, c'est vachement sympa en fait d'avoir rajouté ça en histoire. Il a ensuite conçu un autre plan, celui de répéter le cycle pour l'éternité afin de trouver les guerriers de la lumière, tout comme leur ami les avait guidés autrefois. Il encourageait l'émergence d'une lumière plus puissante, la lumière qui saura rompre toutes les entraves du destin, cette lueur de possibilités qui, à proprement parler, guidera le monde dans les bonnes directions, se dressera-t-elle devant lui. Ah, c'est pas mal. Il y a trop à lire, faudrait que je puisse agrandir le truc. On peut pas agrandir, non. La lumière qui sera ronde, hein, ok. Après avoir péri et répété... Ah mais c'est bon, on a tout lu en fait. Ouais, ok. Intéressant. Et le temple du chaos il y a 2000 ans, on a accès que en chaos, c'est ça? Si je fais Fury... Ouais, il y est pas. Ouais, il y est pas. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Bah, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. C'est une superbe aventure. Et bah, il me reste encore pas mal de trucs à faire. De nouvelles missions, l'histoire du DLC. Enfin, voilà quoi, il y a encore plein de trucs à faire. Donc, on n'a pas fini. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao!